Et puis, trois œufs pour le moment dans le célèbre nid de Maurice et Mélodie, le couple de cigognes de Saralbe en Moselle. Des œufs qui seront couvés 32 jours avant de donner naissance à des petits cigogneaux. Reportage Pierre Desmites, Cécile Motz avec David Bouteillier. Depuis près de 10 ans, Maurice et Mélodie sont les stars de cette commune de Moselle. Ces deux cigognes ont choisi comme nid un lieu peu commun, le toit de la mairie. Chaque année, ce spécialiste des volatiles observe leur migration. Il y a 40 ans, les cigognes revenaient au nid au mois d'avril. Maintenant, elles reviennent au 15 janvier, 20 janvier, elles sont déjà là. Donc la nature est en train de changer, mais avec le comportement de Maurice, on arrive à savoir exactement. Et il vient juste sur ce nid là-haut, il ne va pas sur un autre nid. Et il vient sur ce nid et il le défend, bec et ongle. À Strasbourg, les cigognes se retrouvent dans le parc de l'Orangerie. Elles sont plusieurs dizaines à s'installer et vivre ici. Le schéma migratoire des cigognes y est également observé de près par la Ligue de protection des oiseaux. Certaines espèces d'oiseaux vont adapter leur comportement migratoire en fonction de la nourriture qu'ils trouvent. Si les hivers sont moins rigoureux en Alsace, certains individus ne vont plus migrer ou alors d'autres vont migrer moins loin. Des voyages plus courts qui pourraient se révéler salvateurs selon le président de la LPO. Le réchauffement climatique est peut-être favorable aux cigognes, tout simplement parce que près de 2000 d'entre elles restent en France, ne partent pas dans des voyages extrêmement meurtriers qui génèrent, pour les oiseaux de la première année, les cigogneaux, 75% de mortalité et 30% les années suivantes.